Tu as quel âge ? 12 ans. Emma, elle, 12 ans. Attention, Emma. Dès que tu as le micro dans l'axe de ta bouche, tu peux hurler. Allez, on va lui donner un deuxième essai. Il est bien, mais il est très court. Emmaëlle, voilà, prends ton temps, respire, détends-toi. Essaie de bien sortir le cri sur ton expiration. Ah, c'est un chaud et froid. Voilà, c'est Emmaëlle. Voilà, on l'applaudit très fort. Et tu restes à côté, Emma, en bas de la scène. On a ensuite, elle avait le trac, hein. Quand ça reste coincé comme ça, c'est qu'elle a le trac, c'est qu'elle a vraiment peur. Hein. Quand on a vraiment peur, regarde, mesdames, monsieur à moustache, José Beauvais devant, monsieur. Quand vous recevez votre feuille d'impôt, vous n'arrivez même pas à crier. Hein. Mais non, c'est trop d'un coup, c'est trop d'émotion. Emma T, puisqu'on avait deux Emma, on a mis la première lettre de leur nom. Emma T. On est mieux que le sac à main, ça rigole pas. Elle n'a pas confiance, hein? T'as peur contre le goal dans les coulisses, non? Bon, attention, Emma T, mets-toi bien à bord de... Tu as déjà fait un concours comme ça? Oui, c'est bon. Alors, attention. Alors, Katie, on est d'accord que pour l'instant, elle est en finale. Elle est là, Katie? Hein, tu as entendu? C'est bien, c'est bien. Alors pour l'instant, tu ne t'éloignes pas. Éventuellement, si, enfin tu peux t'éloigner, si, mais tu ne t'éloignes pas de... Voilà, quand tu es en bas. J'appelle Solène F, 15 ans. Bonjour Solène F. Oh, fais peur. Attention Solène, as-tu déjà fait les années d'avant? Non. Non, c'est la première fois? Ta famille est là, tes amis? Qu'est-ce qui? Les gens qui font coucou. Faites coucou à la caméra, messieurs, dames. Regardez. On se croirait chez Jacques Martin. Hein? Allez. Eh bien, elle a donné tout ce qu'elle a. Pour l'instant, c'est très bien. Hein? Si ma femme pouvait crier au moins 10% de ce volume-là, quand je lui apporte un peu de bonheur, ce serait bien. Moi, c'est à peine, elle me dit, tu penseras allumer la lumière après. Vous voyez? Tout ce qu'elle a à me dire après. Numéro 4, Camille M. Camille M. Oh, elle est effrayante, c'est moi qui vais hurler. Bonjour Camille, tu vas bien? Ça y est, décontracté? Ouais, pourquoi tu me dis vous, on a sensiblement le même âge? C'est-à-dire... Mais non, mais... Vous rigolez, mais moi je me sens adolescent, je me sens enfant, j'ai une âme d'enfant. Mmh. Attention, donc, Camille M, 15 ans. Pas mal. Pas mal. Katie, vous me notez bien les trois meilleurs? Vous faites une petite croix, vous vous souvenez? Et ensuite, j'appelle Louise L, 41 ans. Alors là, ça doit donner parce qu'elle a l'âge de trois ados cumulés. Hein? Elle a 12 ans dans sa tête, mais elle a l'air d'une gamine. On va bien s'entendre. Attention, Louise L... C'est à toi. Ça dépote. Ça, c'est le cri qu'elle pousse quand son mari ramène sa fiche de paye. C'est tout ce que tu gagnes. Maxime T, 11 ans. Maxime, tu vas bien, Maxime? T'as l'air d'avoir la pêche? Tu t'amuses bien? Alors attention, c'est à toi. C'est bien. Quand tu seras plus grand, tu vas apprendre que ça doit durer plus longtemps.
Hein. Excusez-moi, je suis grivois. Mais comprends qui veut comprendre. Hein. C'est quand même un double sens. Joseph T, 7 ans. Ça doit être le plus jeune. Le voilà, Joseph T. Je le connais bien, en plus. C'était là l'an dernier, Joseph. Hein. Tu te souviens? Oui, ça va? Tu vas pas être trop timide? Oui. Oui. Et là, il vous sort un cri d'hurlement, vous allez voir. Attention, Joseph, c'est à toi dès que tu as le micro devant ta bouche. Voilà, merci Joseph. Yvan D, 13 ans. À 13 ans, vous m'auriez vu, j'étais beau. J'avais des boucles blondes, j'étais magnifique. Élancé, magnifique. Yvan D. Yvan D quoi? Non, plaisante, on plaisante. Yvan, tu es prêt? Tu t'es entraîné? Non, alors on va découvrir ce que ça donne sans entraînement. Attention, Yvan. C'est bien, Yvan, c'est bien. Alors, oui, ben, nous les garçons, on est dans un registre moins aigu, hein, forcément. On a les voix moins aiguës que ces demoiselles. Yvan D, on te souhaite de revenir parmi les 3-4 meilleurs pour la finale. Numéro 9, Maëva, 22 ans. C'est passé si vite, hein, ces 22 premières années. Oui. Marié, fiancé? Pas du tout. Rien. Alors, Maëva, attention. Merci. Katie, tu prends des notes, hein? Il y en a déjà 3-4 qui ont été plus applaudis que les autres. Donc, on va les revoir en finale. Ah ben, va voir s'il y a des places. Numéro 10, Gwendoline, 21 ans. Bonjour Gwendoline. Voilà, Gwendoline entraînée? Pas du tout. Alors on va voir ce que ça donne. Attention, Gwendoline. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout, Gwendoline. Il en reste encore 4. J'appelle Alexandrine, qui n'a que 8 ans. Bonjour, je m'appelle Alexandrine. Non, tu n'as pas cette voix-là. Comment tu parles? Je te demandais ton nom, je te demandais pas d'hurler comme une folle. C'est quoi ton prénom? Alexandrine. Alexandrine, voilà. Là, c'était pas commencé en fait. Donc maintenant, tu vas vraiment commencer. Donc Alexandrine, attention. Merci. Antépénultième, Tess, 10 ans. Tess, 10 ans. On les prend les deux petites là après? Elles t'ont vu? Tu les as vues? Alors, Tess, pardon, excuse-moi. Oh, bah, dis donc. Tu fais du poney maintenant. Recommence, là, je pense que t'avais un petit peu le trac, ça s'est coincé. Vas-y, recommence. Ah, c'est pas évident. Voilà, on t'applaudit, merci. On appelle Marine B. Puis il y a deux petites filles qui veulent absolument venir, on va les faire venir. Elles sont trois, et si on les met toutes les trois ensemble? C'est une suggestion, voir avec les parents ou les petites gamines. Marine, 28 ans, tout va bien? Heureuse dans la vie? T'as pas l'air convaincue? T'es avec Pascal Tourin devant une foule en délire, et t'es malheureuse? En délire, mais ils sont pas trop en délire. Hein. Vous êtes pas en délire? Va-t'en, c'est bien toi, hein, t'aurais dû venir. Hein. Va t'inscrire vite fait, viens ici. Viens ici. Katie, on va prendre le barbu là, avec les lunettes.
Il fait l'intéressant dans la foule, là, il va venir ici. Attention, Marine, c'est parti. Eh ben, si tu mets pas tes agresseurs en fuite avec un cri comme ça, ça marchera, tu verras. Enfin, on ne souhaite pas que tu le vois. Angela, 14, numéro 14, 10 ans. Angela, 10 ans. Ah, voilà, très aigu et très court. Merci Angela. Alors, on a trois petites filles, venez ici des petites filles, qui en voyant les autres ont eu envie. Alors, là c'est une brochette de trois petites filles. Vous passez une par une ou vous voulez faire toutes les trois en même temps? Vous préférez toutes les trois en même temps? Oui? Alors, c'est trois petites filles qui comptent pour une, donc vous allez bien aller donner votre voix en direction du micro. Attention. Et les deux autres, vous êtes en grève, là? Alors, vous voyez comment vous êtes? On fait toutes les trois en même temps, et puis il y a votre copine toute seule. Moi, je ne trouve pas assez sympa. Alors, je vais compter jusqu'à trois, et à trois, je vais vous entendre toutes les trois en même temps. D'accord? Un, deux, trois. Ah! Alors, redescendez. Alors, Katie va me dire quels sont les quatre ou les trois ou quatre. Ah ben, il y a le papa. Le papa, il est où, papa? Voilà, il y en a encore deux. Alors, reste avec moi, reste sur scène. Note leur nom. Demain, il y en aura un autre. Pensez à vous inscrire un petit peu avant qu'on sache gérer le temps. Liane, 8 ans. Attention. T'es cinglé de gueuler comme ça. C'est pas mal, hein? C'est un peu court, mais au niveau aigu, c'est un des meilleurs. Ensuite, on a Clara. 2 ans, non, 12. 9. Attention, Clara. Chauffe-toi les cordes vocales, vas-y. Et merci. Tu restes à côté. C'est Katie qui va me sélectionner les 4-5 finalistes. Et il y a le papa. Le papa, il est où? Il s'est déballonné? Viens ici. T'es hors concours, toi, t'es trop grand. Voilà, le papa qui hurlait dans la foule. Regarde. Tu vois, c'est plus la même, là. C'est bien, on est bien, là, aussi. Attention, tu t'appelles comment? Christophe. Merci Christophe. Alors Katie. Alors, sont sélectionnés pour la finale où c'est le public qui départagera. Solène F, numéro 3. Louise L, numéro 5. Yvan D, numéro 8. Maeva S, numéro 9. Vous venez tous les quatre pour la finale. Voilà, alors mesdames et messieurs, écoutez bien, venez tous les quatre, on va vous aligner sur la scène, et c'est le public qui décidera du vainqueur. Alors, rappelle-moi les prénoms. Alors, Solène. 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 On commence par Solène. Donc, écoutez bien les quatre finalistes. Solène, 15 ans. Eh ben Solène, t'as envoyé la patate, hein, comme on dit. Ensuite, on a Louise L. 41 ans, mais on s'en fout de l'âge.
c'est bien aussi. Yvan D, 13 ans. Et attention, Maëva S, 22 ans. Ah, c'est bien aussi. Alors attention maintenant, mesdames et messieurs, c'est l'applaudimètre qui va les départager. On repasse par ordre. Vous applaudissez juste, il ne crie plus. Numéro 1, Solène F, pendant 5 secondes. Elle est en tête pour l'instant. Numéro 5, Louise L. Pas de changement. Numéro 3, Yvan D. Et dernière, Maëva S. Alors, Katie, je crois qu'il n'y a pas photo. On a une grande gagnante. Donc, la grande gagnante, mesdames et messieurs, est Solène F. Alors, Solène, regarde, tu as gagné ces charmants cadeaux. Quant aux autres, eh bien, vous avez gagné des applaudissements. Et demain, il y aura un deuxième concours de Scream Queen. Entraînez-vous, venez vous inscrire. Merci, mesdames et messieurs.